Michael Vendetta a quelque peu déserté elle, antenne, et ce, depuis plusieurs années. Étant actif sur les réseaux sociaux, il donne régulièrement de ses nouvelles à ses abonnés. Il vient d'ailleurs de leur révéler une théorie sur la 5G et la crise sanitaire. Les émissions de Tellerlite ont révélé un grand nombre de personnalités. Si certaines sont resties dans la lumière, des autres menent une vie plus discrète. C'est, et notamment le cas de Michael Vendetta. Connu pour avoir revendiqué sa bogositude et notamment dans De Grey la ferme célébrite, plus ou moins ilesse, et reconverti. Désormais éloigné du petit écran, Hélène en reste pas moins présente sur les réseaux sociaux. Ailleurs, Hélène hésite pas à y exprimer son avis tranchant sur certains sujets. Une personnalité qui ne passe pas inaperçue dès sa première apparition télévisuelle, Michael Vendetta a laissé personne indifférent. Lors de son passage dans la saison 3-2, De Grey la ferme célébrite, plus ou moins ilesse, et démarque par son assurance, son caractère. Sûr de lui, Hélène a pas hésité à revendiquer sa bogositude. Sa phrase fétiche était d'ailleurs « Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un real beau gosse ». Il va de soi que sa manière d'être avait largement animal, émission. Entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre lui, le candidat de Tellerlite est retrouvé au centre des attentions. Que ce soit les autres candidats ou les téléspectateurs, tout ne pouvait être de marbre face à Michael Vendetta. Quoique, il en soit, il avait fini par remporter la saison 3 de Elle, émission. De plus en plus populaire, il avait même enchaîné les tournages, De Grey Car VIP, plus ou moins, De Grey Les Anges, plus ou moins, De Grey Un Dîner Presque Parfait, plus ou moins. Son avis sur la 5G et la crise sanitaire comme bon nombre de personnalités, Michael Vendetta est actif sur les réseaux sociaux. En ces temps agités où le coronavirus ne cesse de faire des ravages, le blond a tenu à donner son avis sur la question. Le 23 novembre 2020, Hélène est donc saisi de son compte Instagram pour y poster une vidéo dans laquelle il dénonce une théorie complotiste. Il a des, ailleurs mis, degré 5G, catastrophe sanitaire, plus ou moins en légende titre de la vidéo. Et voici des informations précieuses pour votre santé. Que les meux, Diane ne vous diront pas car ils appartiennent par ceux qui re. Pendant la 5G, plus ou moins a-t-il mis en légende de la publication. Bien évidemment, ses abonnés ne sont pas restes de marbre face à cette publication. Mais comme toujours, Michael Vendetta a divisé les internautes. Certains rejoignent son avis, des autres se sont montrés cassants, voire ironiques par rapport à ses allegations. Il en soit, cette situation n'est pas nouvelle, car Michael Vendetta a toujours été d'une personnalité clivante. Conversion puisque la notoriété peut être éphémère, il arrive assez souvent que les candidats de Tellerlite se reconvertissent. Par Michael Vendetta est orienté vers le monde de la nuit. Un premier temps, il était devenu DJ. Bien que cette activité soit intéressante, il et rapidement tourne vers elle, organisation de soirées. En 2017, Hélène était d'ailleurs exprime à ce sujet dans les colonnes de Gala. De Grey, j'écris ma propre soirée parisienne qui s'appelle la Santa Maria. Change de lieu à chaque fois, c'est toujours dans des endroits très branches, plus ou moins il faut savoir que les soirées qu'il organise sont plutôt d'ordre privé. Michael Vendetta avait aussi révélé qu'il faisait lui-même le casting des gens qui pouvaient y participer, à savoir des photographes, des créateurs de mode, des artistes, bref, que du beau monde.
Les personnalités politiques, scandalisées depuis la propagation du coronavirus, bon nombre de théories du complot ont vu le jour. Le documentaire, The Great Hold Up, plus ou moins avait également émis elle, hypothèse D, un complot mondial. Ce reportage remet en question la manière dont les autorités gèrent cette crise sanitaire, de nombreuses personnalités politiques ont crié au scandale.